T'es un artiste qui est très rare. Ça fait un petit moment que t'as pas pris la parole. Tu parles pas beaucoup. On te voit très peu, à part dans tes clips ou dans ta musique, finalement. Pourquoi est-ce que t'as décidé de parler? Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé, déjà. Et j'avais un peu plus de choses à dire qu'à d'autres moments. Et voilà que j'avais envie de faire l'interview. C'est tout. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle aujourd'hui? Tu peux m'appeler Jay, si tu veux. Jay, Laylow, Monsieur Anderson. Jay, ça va. Ça va parfait, ouais. On va juste remonter un petit peu dans le temps. Parce que moi, c'est ce que j'aime dans l'album L'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est que tu as des gens qui remontent dans le temps avec une nostalgie en mode c'était mieux avant. Et toi, tu remontes dans le temps pour expliquer pourquoi c'est mieux maintenant. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'assez inspirant en fait pour la jeunesse, avec un message qui est super simple. Si on vous prend pour un fou, parce que vous aimez profondément ce que vous faites, laissez les gens vous prendre pour un fou. Et j'ai l'impression que toi, on t'a beaucoup pris pour un fou. Ah, déjà, ça me fait super plaisir, tu vois, que tu le vois, que ça soit clair dans ton esprit, tu vois, parce que t'es jamais sûr que ton message, il est clair, en fait. Mais... ouais, c'est ça, c'est un peu replonger dans le passé pour réexpliquer le cheminement des choses et évidemment arriver à un présent, tu vois, où bah ouais, c'est vrai, maintenant les gens ils me prennent un peu moins pour un fou, mais de base c'était que ça, ouais. C'était que ça quand on exposait nos idées, quand on demandait de l'argent, quand on demandait de l'aide, quand on demandait des feats. C'était pas clair. C'était en mode, c'est bien ton truc, mais c'est pas trop clair, tu vois. Et donc, ouais, je sais pas si on peut dire qu'on m'a pris pour un fou, mais on m'a pas compris. Ça, c'est clair. Pas compris tout de suite. J'ai toujours été le plus talentueux. J'ai toujours amené cette créativité qui lui manquait tellement. Ce génie, cette folie que vous pensez être la sienne, c'est moi. Lui... il se contentait d'avancer sur le chemin qu'il croyait être sa vie. Alors que c'était la mienne aussi, putain. Mais ce qu'il savait pas, c'était que tout était écrit depuis le début. Ce qui est intéressant, c'est que dans les gens qui t'ont pas compris, il y a l'industrie, il y a aussi la famille. Mère d'origine ivoirienne, père français. Et quand on voit le court-métrage qui était lié à la sortie de l'album, je trouve qu'il y a une scène qui est assez métaphorique et évocatrice, c'est qu'à un moment, pendant que toi, tu es dans le miroir en train de t'imaginer devenir un grand rappeur, il y a ta mère qui frappe, et en fait, il y a un effet visuel très puissant, et en fait, on a l'impression que le fait que ta mère ne te comprenne pas, c'est le monde qui s'écroule, en fait. J'ai trouvé ça très fort, en fait. Tu m'entends où? J'ai l'impression que c'est le truc qui a été le plus difficile à vivre. Parce que la famille et en vrai les géniteurs, ses parents, je pense que c'est... en fait, c'est les gens qu'on veut le plus convaincre dans notre vie. On s'oppose à eux, on crie avec eux. Il y en a, au contraire, il y a des enfants qui essayent toujours de faire tout bien, comme leurs parents ont envie. Il y en a d'autres qui font l'inverse, mais bon, bref. Tout ça, c'est pour dire que j'ai l'impression que on cherche continuellement à les rendre fiers. En vrai, je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Mais donc quand leur colère, elle s'abat sur nous, en vrai, je trouvais que c'était une bonne façon dans le film de que la salle de bain, elle tremble. Parce qu'en vrai, c'est ce que je ressens. Après, tu peux te mettre sous pilon, sous alcool, ou traîner avec tes potes à l'extérieur, plus vouloir voir tes parents, mais dans ton cœur, ça tremble. Donc évidemment, il y avait un vrai lien avec mes parents dedans. Ça me touche que t'en parles très vite, tu vois, parce que c'est vrai. Beaucoup d'artistes, quand ça marche pour eux, disent « voilà, mes parents ont compris quand j'ai ramené les disques d'or ». Et toi, j'ai l'impression que la compréhension de tes parents, c'est pas « j'ai ramené les disques d'or », c'est « je suis un artiste ». Ouais. C'est petit, vous me voyez, j'étais possédé par la musique, j'étais dans mon monde, je regardais les clips sur MTV, je regardais Window Shopper, tous les clips de Hype Williams et tout ça, et c'était un monde qui était tellement plein de couleurs, plein d'images, que je vivais dedans, personne ne me comprenait, et maintenant comprenez, papa, maman, que j'ai mon monde en fait. Ouais. Tu sais, un jour j'ai eu, quand j'habitais à Pantin, on était en colocation avec mes gars de TBMA et tout. Et à ce moment-là, vraiment, je sais pas, ça s'appelait avec ma mère une fois par an. Sincèrement, pour te dire, on en était à quel point de, on se comprenait pas. C'était en mode, vas-y, fais tes trucs, je comprends rien, ça, je te suis plus. Mais à un moment, on a essayé de se faire un petit coup de fil. Et elle m'a dit, si tu fais la musique, fais un truc grand, fais un truc bien. Et ça, ça m'a trop marqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils auraient pu dire, vas-y, fais de l'oseille. Ou, ouais, juste fais de l'oseille. Débrouille-toi, tu vois. Non, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit, fais quelque chose de bien. Et je pense qu'il y avait une défiance par rapport au Pura, en mode, hey, c'est de la merde. Donc, tu sais, pour les gens qui connaissent pas, tu sais, des fois, ils peuvent penser ça, tu vois. Et ce moment-là où on m'a dit, OK, fais-le, mais fais-le bien. Ah ouais, c'est resté en moi. Et donc, quand tu me dis, sois un artiste, je capte, tu vois. Et même aujourd'hui, bon, quand je parle à ma mère, elle parle pas de l'argent, du zéo. Elle est plus en mode, putain, t'as construit un truc, t'as construit une histoire, tu vois. Et ça tue, ça me rend heureux. En plus, tu sais, ils sont profs de français, mes parents. Donc, ils aiment les livres. Les livres, surtout. La narration, c'est trop important. Regarde, c'est logique, tout ce que je te dis en vrai, tu vois. Parce qu'il y a un côté conte. Je kiffe les contes. Quand j'avais, je sais pas, peut-être 17 ans, je me suis fait tatouer Alice au Pays des Merveilles ici. C'est trop chelou, hein. Genre, la demande et tout, même quand je suis allé chez le tatoueur, j'ai dit, ouais, moi, dans ma tête, j'ai un petit DEL, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il m'a regardé, tu sais, un métis comme ça, il arrive avec des TN et tout, et il dit, moi, j'aime bien, c'est mon délire. Eh ben, ouais, ça l'a intrigué. Et je crois que c'est parce que ça me... Cette petite magie, tu vois, qui peut arriver. Enfin, qui peut... En vrai, elle peut pas arriver, mais j'aime comment elle est décrite, tu vois, dans les contes. Eh bien, moi, ça m'inspirait de ouf. Et donc, ouais, j'ai essayé, surtout sur l'étrange histoire, de créer un déroulé un petit peu conte, avec de la magie, pas besoin d'être tout le temps proche du réel. Je voulais qu'on s'évade un petit peu. Cette histoire est une fiction. Elle démarre bien avant tout ce que vous connaissez du personnage qui est en face du miroir. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Dites-vous bien qu'à ce moment-là de l'aventure, même lui ne savait pas encore qui il était. Quant au monde que vous verrez à l'image, il se rapproche du vôtre. Mais il n'est pas vraiment le même. Il laisse la place à l'inattendu, à l'incroyable, à l'étrange. Tout ce que vous avez laissé derrière vous, il y a bien longtemps. Alice au Pays des Merveilles, c'est l'inspiration principale des Wachowski, qui ont fait Matrix. Pas. Ah ouais, mais c'est vrai, putain, je suis un ouf, je t'ai dit, je savais pas. Est-ce que tu veux suivre le lapin blanc? J'y pensais parce que j'ai regardé le dernier Matrix, je vais pas donner mon avis dessus. Je vais pas te le demander. Ouais, t'as capté, mais en gros... par respect ouais, pour non, non, c'était... Ouais, c'est nul, mais il y a un truc qui m'a parlé. C'est que j'avais oublié, à un moment, elle a le tatouage avec... Elle monte son tatou. Et c'est un lapin, et là, je me suis dit, mais ma gueule, j'ai fait le lapin, moi aussi, tu vois. Dans mon tatouage, j'ai un lapin. Et je me suis dit, putain, tout était prédit, tu vois. Il y a un truc bien dans Matrix 4, c'est le psy. Est-ce que toi, des fois, t'as l'impression d'avoir frôlé la psychiatrie ou la folie? Non. Non, parce que même si je parle de, tu sais... être spécial, être un individu unique, ne pas être compris. Il y a un truc quand même qui m'anime, c'est je suis quelqu'un de déterminé et tout. J'ai un truc compétiteur. Là, c'est parce que j'ai décidé de le mettre dans le rap, j'essaie d'aligner les éléments, les parents, la vie, tes amis, tout ce que tu trouves et créer quelque chose qui est à mon image. Mais en vrai, je suis un compétiteur. Mais tu dis à l'époque, je cherchais des flots de dingue que personne n'allait comprendre. Exactement, et ça fait que quand tu me parles de cette folie, ouais, je suis d'accord, mais j'ai toujours quand même une ligne droite qui me... Ouf, on y va. T'as vu, ça, c'est mon but. C'est quand même... je peux pas tout remettre en question. L'art, j'aime bien le remettre en question. Mais, je sais pas, la famille, ce que t'es, etc. Il y a des trucs, j'y vais. Non, je vais pas toucher, c'est un territoire... ça, il faut que tu connaisses tes bases. Il faut que tu saches d'où tu viens, comment tu penses. Si t'es un jeune, t'as toujours... au moins, même si tu te sentais spécial, différent, toi, t'étais déter. Tu voulais prouver que t'allais y arriver. Eh bien ça, garde-le. Deviens pas un mec en mode non, je sais pas. Non. Wow, ils veulent tous te faire la guerre parce que des... Wow, faut faire la monnaie fort très très vite. Tes sens de tout niquer rétrécissent, mais tu t'emballes et t'es intrépide. Tu ne veux jamais faire comme les autres, mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails, même si tu sais que tu vaux mieux que ça. Négro t'es spécial, négro t'es la suite. Qui peut tout changer, qui peut mettre le move à la mode. Que dénique ta mère, très peu pour toi les tiamo. Donc, oh, t'es tout seul dans le Viano. Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement. Bien sûr t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable. Mais moi, I know que t'es space, t'es différent, toi t'es spécial. Spécial, il a une connotation spéciale ce morceau avec Nekfeu parce que tous les deux, vous parlez d'un moment spécial de votre vie. On va pas raconter l'histoire de Nekfeu, mais toi, en tout cas, t'as connu un moment où t'étais pas chez toi. Ouais. En fait, moi, t'as vu, j'ai fait plutôt ma vie en France. À un moment, on m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Et c'était pile dans le moment de l'adolescence, en fait. Et c'est un moment où vraiment, moi, je commençais à avoir mon groupe de rap. Enfin, mais... C'était mes premiers sentiments, ou je sais pas, tu vois, c'est dans la vie d'un rappeur, je pense à plein de gens qui doivent se reconnaître dans ça. C'est les premiers freestyles, on te dit ça va, t'es pas mal, tu vas en session, c'est une live, tu vois, et on m'enlevait vite de ça. Et en fait, je suis revenu de moi-même, et je sais pas, ça a posé un peu problème. Mon père, il a pas voulu me prendre en France, donc je suis resté dehors, ou chez une meuf, etc., tu vois, des classiques. Et là, j'avoue, j'étais un peu livré à moi-même, mais je savais plus trop le bien et le mal. C'est sans faire des trucs de ouf, tu vois, mais tu perds un peu tes repères à des moments comme ça. Et donc voilà, c'était ça un peu cette partie, mais qui a, vu que je suis rentré en première et que quand je passais mon bac, j'étais toujours pas chez moi. C'est quand même une période d'1 an et demi où tu vois, tu traînes, tu t'apprends d'autres trucs et tout. Donc c'est une période qui m'a marqué, tu vois. J'en veux à personne, mais... J'étais un peu... Je sais pas, je réfléchissais tout seul, quoi. Voilà. Le truc qui est intéressant quand on analyse ton succès, pour moi, ça a beaucoup attrait à l'adolescence, en fait. Tu vois, avec les questions qu'on se pose quand on est adolescent, les doutes qu'on a quand on est adolescent, les frustrations qu'on a quand on est adolescent. Et c'est quelque chose, en fait, dans lequel tout le monde se reconnaît, qui est universel dans la musique. Et t'as toujours utilisé des thèmes, finalement, assez universels. Il y a eu des morceaux sur les relations amoureuses, dans les EP d'avant. Et là, quand on prend le diptyque Trinity et Anderson, il y a quand même ce malaise adolescent, quoi. Et en fait, c'est une question qu'on peut débattre, je pense, jusqu'à nos 99 ans, Inch'Allah, tu vois. Mais est-ce qu'on guérit un jour de ça? Ouais, non, je pense que ça laisse des traces, hein, l'adolescence. En vrai... L'enfance, c'est important et tout. Souvent, tu sais, ça me fait gaulerie. Ouais, je vais aller loin, mais ça me fait gaulerie parce que je me dis, le jour où j'aurai un gosse, j'aimerais bien passer direct au moment adolescence pour le coacher. Mais c'est con. Ils disent, non, c'est important, l'enfance. Mais en vrai, l'adolescence, il y a des moments super importants. Et c'est vrai que ma musique, elle est archi portée sur ça. Je sais pas, parce que je trouve que c'est pas encore trop intellectuel, pas encore trop concret non plus. Comme les adultes, avec les problèmes des adultes, genre acheter une maison, avoir un crédit, meilleur taf et tout, c'est des trucs, genre c'est bien, mais c'est moins rigolo que ouais, est-ce qu'elle m'aime? Tu vois, les trucs tout simples comme ça, où est-ce que je peux le faire ça? Mes potes, ils veulent tous que je le fasse, est-ce que je peux le faire? Ça, c'est les trucs qui prennent tout le monde, parce que même quand t'es vieux, comme tu dis, tu le regardes et même toi, tu te retestes, tu dis, oh, je sais pas si je peux le faire ça, tu vois? Et c'est ça le délire que de l'adolescence que je trouve. Il y a toutes ces choses-là. Et un autre point, l'adolescence, ça va bien avec le rap. Parce que le rap, c'est un art de jeunesse. Il y a des gens qui rappent vieux et tout. Mais ça n'a plus le même impact, je trouve. Je trouve que c'est vraiment un truc qui est lié à la jeunesse. Et c'est pour ça que tous les rappeurs essaient de rester jeunes. Pour rester dans ces thématiques-là, tu vois. Après, chacun le fait à sa façon. Mais moi, ouais, j'aime bien mettre un peu de romantisme dans ça. Ouais, c'est un truc très, je vais pas dire émo, comme le rock émo, mais très émotif, ouais, émotionnel. Ouais, de ouf. De ouf, j'aime bien. Moi-même, quand on dit rap émo et tout, ça va direct dans une catégorie, mais j'aime bien, moi, les sentiments au maximum. Puis il y a des formules quand tu dis, il y a des gens à qui tu as ouvert ton cœur comme, comme un stade, qui t'ont trahi derrière. Et t'as traîné des fois juste pour voir ce que ça fait d'être éclaté sous Jack, en avoir rien à foutre, t'as fait tes connaissances et t'as ouvert ton cœur comme si c'était un stadium de foot. Tu croyais que c'était tes potes et qu'ils seraient avis que vos destins resteraient liés, quoi qu'il arrive tu t'es trompé, mais je peux pas t'en vouloir, non. Mais en vrai, c'est une façon très manga de parler de l'amitié. Ouais, de ouf. Tu vois. J'aime de ouf ça. Eh ben ouais, grave. Grave, dans le sens où Osman, il me disait ça aussi. T'as vu dans les mangas comment, quand ils sont déçus, ils sont déçus. Et puis il y a ce côté, quand tu deviens pote avec quelqu'un, il y a le moment où, OK, on est pote, puis après, on ouvre son cœur. Et c'est... Moi, j'ai vraiment ça, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, mais mes amis, genre, je leur ouvre mon cœur. Et ouais, des fois, ça dit des dingueries. Si t'es quelqu'un qui ne comprend pas ce genre de mentalité, tu dis, mais gars, il est juste pas venu avec toi aujourd'hui, t'accompagner là où il devait t'accompagner. Et moi, je suis en mode, ouais, il a lâché. Ça, dans ma tête, c'est parce que c'est amplifié, je suis comme ça, tu vois, c'est important. Parce que les relations comme ça, OK, tu donnes tout, mais je te jure qu'il y a une puissance qui se crée qui est supérieure. Ouais. Il y a des gens à qui tu peux pas dire non. Ouais, quasiment, ouais. Quasiment, en vrai. Non, je te dirais pas non, même si ça me met un peu en galère et tout, mais c'est pour ça que ce cercle, sérieusement, conseille le réduire au maximum, tu vois. C'est juste, ouais. Mais il y en a d'autres, ouais, aide-les au maximum. Ils t'aideront aussi au maximum quand t'en auras besoin. Parce que la musique, est-ce que c'est un milieu où tu peux te faire des amis? Ouais, amis de, tu sais ce dont t'as parlé au début, la première couche d'amitié, le premier cercle, tu vois. Niveau 1. Ouais, niveau 1. Sérieusement, tu peux faire des bons niveaux. Hein. Moi, genre, je m'entends avec des gens. Tu vois, où on rigole, je tape des barres, je trouve vraiment que c'est agréable d'être avec eux. C'est ça, ouais. À la base, est-ce que t'es bien avec quelqu'un ou t'es pas bien? Il y en a, je trouve que c'est vraiment agréable. Maintenant, non, il y a trop d'enjeux. Tu peux pas tout dévoiler. Et c'est vrai que non, la musique, c'est un peu dur. Et il y a des gens, c'est vraiment que le business. Est-ce que les vrais amis, c'est ceux que tu peux appeler... C'est ceux déjà qui t'ont connu au niveau 0 et que tu peux appeler quand t'es au niveau -1. Ouais, ouais. Ouais, le niveau -1, ouais. Il est... Des fois, je pense l'humain, il a tendance à l'oublier quand il monte au 1 ou au 2, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a le -1. Et le -1, j'avoue, il n'y a pas beaucoup de gens à appeler. Et même toi, des fois, tu t'es présenté tellement fièrement à des gens que t'as honte de les appeler. Donc, le cercle des gens qui te connaissent, ouais, comme tu dis, bah, c'est les gens qui te connaissaient au début, quoi, tu vois. C'est eux qui peuvent comprendre ça, et donc, eux, tu peux te montrer en galère. C'est pas grave. Voilà. On a l'impression que c'est ta quête, à toi, c'est de faire en sorte d'avoir l'accomplissement nécessaire en termes artistiques et professionnels pour retrouver le mec que t'étais au début, en fait. Retrouver l'enfant. C'est-à-dire, le mec, il veut juste réaliser un rêve. OK, j'ai une idée, je vais la faire. Je suis à la recherche de ça, ouais, tout le temps. Je sais pas, comme tu as dit, c'est le truc le plus pur. Je cherche... Même l'argent, ça me parasite. Je te jure que ça me parasite. Je cherche ce truc qu'on avait, ou qu'on a, que j'ai encore, tu vois, des moments, mais c'est quelques secondes, tu vois. Quelques minutes, quelques heures, ce studio-là, à cette session-là, où là, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus rien, c'est juste toi à fond qui veux aller dans ton truc. Et je cherche ce moment-là, même quand on parle en équipe, en label et tout, et que ça parle plein oseille, etc. Non. C'est malsain parce que tu perds ce truc-là. Et les gens l'ont pas. Enfin, c'est pas les gens l'ont pas, mais il est rare, quoi, dans la société, autour de nous, les gens qui veulent vraiment tourner, par exemple, cette interview, qui le veut, qui le fait juste parce qu'il doit le faire. C'est rare, donc quand tu le trouves, quand tu l'as, c'est le truc le plus beau. Sérieusement, en tout cas, il y a des gens, ils diront « Ouais, moi, je sais regarder un paysage avec personne autour. » Moi, ma clé à moi, ce que j'ai trouvé, ce qui me fait plaisir, tu vois, c'est ça, ces moments-là. Ou quand je finis l'album, ça va plus du tout, tout s'en mêle et tout, mais je suis tellement concentré dans un truc. Tu le fais pas pour la récompense, tu le fais pour le moment. Mmh. Donc ouais, c'est toujours je cherche ce truc et tu l'as un peu lié à l'adolescence, ouais, parce que on faisait pas forcément tout le temps des trucs pour l'oseille. Des fois, on faisait des trucs parce qu'on trouvait que c'était trop cool, c'est tout. Dans l'album, tu parles de continuer à être dur avec toi-même. Ouais. Je dis c'est important de continuer à être dur avec toi-même, mais on a l'impression que t'es pas si dur avec toi en fait. Que faire de la musique, c'est plutôt être doux avec toi. C'est plutôt un moment où tu te fais plaisir, où tu t'autorises. Parce que les gens qui sont durs avec eux ne s'autorisent pas à grand-chose. Le premier, tu vois, dans un briquet, il y a du gaz et une étincelle. L'étincelle, c'est ce moment de douceur là, dont on parlait, où je me laisse aller, parce qu'elle est dure à trouver, l'étincelle. Mais le gaz qui alimente la flamme, sérieusement, ma façon de produire ce gaz, elle est difficile. Elle est rude, genre... je veux plus, je veux retoucher, je veux faire mieux. Pourtant, tout le monde dans le studio me dit que ça va, c'est bien, ça passe. À part peut-être mes vrais, tu vois, qui peuvent un peu me mettre un peu en la puce à l'oreille, me dire, attends, tu peux aller plus loin. Mais sinon, c'est tout le temps ce mode-là de gaz. Ce gaz, il est vraiment, le gaz Laylow, il est vraiment, je trouve, il est dur à produire. C'est pour ça que je dis... que ouais, c'est ça que j'appelle être dur avec moi-même, toujours faire un bête de gaz, Laylow. Mais maintenant, la première étincelle, ouais, c'est juste l'envie de vouloir se lever, faire un son. Ça, c'est... Plus t'avances, plus c'est dur. Surtout si tu gagnes un peu d'oseille et tout ça, t'achètes une voiture. Il y a plein de façons de se distraire tu vois, de ta passion, en fait, d'aller à côté. Acheter un truc qui te plaît. Et tu sais comment c'est les achats. T'achètes un truc, ça te rend heureux pendant un jour, et tu peux en acheter un autre si tu veux, ou tu peux revenir à ton truc. Et c'est ça que je veux dire, ces étincelles, des fois, je vais les chercher en créant un moment où je me laisse aller. Et quand t'avais pas de sous, quand ça marchait pas, quand tu disais à l'époque j'essayais tous les flows, j'étais persuadé qu'un jour on allait m'entendre, c'était quoi pour toi le truc qui te faisait le plus rêver en fait, qui te paraissait inaccessible? Que les gens, ils m'aiment. C'était ça, je crois. Tu penses qu'on y arrive un jour à ça? Beaucoup de gens m'aiment. Ouais. Tu vois, c'est que mes potes, ils m'aiment ou quoi, ça va, mais... Que beaucoup de gens m'aiment, ça, je trouvais que c'était impossible. Et il vient d'où, ce besoin? Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'on a tous envie que les gens... On a tous besoin un peu de réconfort, des gens qui te disent c'est bien ce que t'as fait, etc. Tu vois. Et c'est juste que moi en plus je suis un peu, tu vois, quand je te dis que pour moi c'était dur, enfin je trouvais ça impossible, je suis très lucide, tu vois. Et je me disais non, ta dégaine, comment t'es, ta façon de rapper, ton histoire, t'as déjà signé, on t'a rejeté, ça marchera pas. Mais au fond de moi je continue. Mais quand je l'explique, j'ai mes arguments pour me dire c'est dur, putain, ça passera pas, j'aurais peut-être un truc un peu cool, tu sais, faire quelques concerts et tout, mais j'avoue pas un Bercy, tu vois. Et c'est jusqu'à que ça arrive, et là, tu passes des étapes jusqu'à arriver là, et tu te dis, putain, ils prennent le délire, c'est dingue. Bercy rempli en quelques heures. Est-ce que là, tu dis les gens même quand ça arrive? Un petit peu. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Après, faut pas... J'essaie de rester quand même dans la mentale de « ils peuvent pas m'aimer ». Tu vois, tu sais pourquoi? Parce que, ouais, c'est pareil, genre si t'écoutes tous les gens qui te disent que c'est trop bien, tu sais pas, ça, tu te remets pas en question, faut... Moi, non, c'est pour ça, même les sons, quand je les fais écouter et tout, c'est pas de faire des sessions pour le public ou, c'est venez écouter, venez donner votre avis, non. Je les donne à ceux à qui j'ai confiance, on reste dur avec soi-même, etc. Pour rester dans cette mentalité de se dire « ça peut... ça peut ne pas marcher, tu vois. Après, là, les gens qui viennent au Bercy, bah, c'est ceux qui ont validé jusque-là, jusqu'à que je fasse une erreur. Ou que, je pense pas, j'espère ne pas la faire, mais jusqu'à... Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va tout reprendre un jour? Non. Non, 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 c'est juste que les gens, ils détruisent les gens. T'as vu comment sur Internet et tout, je sais pas... Les gens, ils aiment trop le chaos. Et je sais pas, ça marche d'insulter les gens, de... Je sais pas, de voir chuter quelqu'un. Donc, il faut quand même se préparer à ça. Ça peut arriver. Même ceux qui ont construit des trucs pendant 10 ans, 15 ans. Et comment t'encaisses la haine? Ça me fout le seum. Ça me fout le seum. Mais pas comme on disait tout à l'heure en mode manga. Tu vois, pas à ce niveau-là. Mais ça me fout le seum. Bien sûr, ça me fout le seum. Quand quelqu'un t'insulte, même c'est le net ou quoi, t'as un premier réflexe. T'es en mode t'as tort, t'es con, etc. Tu vois. Ça me fout le seum, mais après je passe à autre chose. Et tu peux... Plus il y en a, plus t'apprends à le faire. Mais je suis pas... C'est faux de dire que t'as aucun sentiment, je suis hermétique. Non, t'es pas hermétique. Personne n'est hermétique, mais on fait d'autres trucs. Et vas-y, on fait un son, on se plonge dans un truc. Et ça y est, on est passé à autre chose. Moi, par contre, j'avoue, je peux passer à autre chose en me plongeant dans quelque chose. J'aime bien faire ça. Et tu lis quand même s'il y a écrit sur toi? Ma mère, elle lit. Je comprends pourquoi t'as le seum. Ma mère, elle lit. C'est elle, elle me récite ce qui a été dit, mais sinon... Moi, ouais, si, il y a des fois sur Twitter ou quoi, tu vas sur ton Twitter, il y a quelqu'un qui t'a marqué, il t'insulte. Tu le lis. Tu vois, t'es obligé de le voir. Après, tu vas pas forcément chercher. Par contre, t'as une sortie d'album, là, c'est bien, ça te fait même... Je sais pas, il y a des avis et tout, des fois, c'est intéressant. Tu vois. Il y a un morceau dont j'aimerais qu'on parle, c'est le morceau Lost Forest. Mm-hmm. Qui est un morceau qui parle des violences policières. Mmh. Tu fais une référence au Dix Petits Nègres également, d'Agatha Christie. Dix petits nègres dans la vallée, le monde foutrait les avaler. Dix petits rebeux dans la vallée, le monde foutrait les avaler. Ok, le monde pourrait les avaler. Voilà, mais elle est là, et ferme la porte. Quand je me suis levé, j'ai vu que tu pleut. Je sais même pas où on était où, mais y'avait les keufs, c'est tout à l'heure. L'un d'eux, il avait un gun, il avait l'air zaf, il avait l'air sérieux, il avait l'air de vouloir un découp de genre tout de suite. Et moi, j'étais nerveux, mais je dis, tranquille, doucement, j'explique. Je crois que vous avez confondu, on veut juste taper soirée tranquille. Peut-être y a un malentendu, là, il a tapé une barre. Il s'est rapproché de moi, il m'a dit, maintenant tu fermes ta gueule, c'est moi, je vais t'expliquer les règles du jeu. Je crois que mon père, mon daron, m'avait passé le livre. J'aimais bien le délire de la comptine dans le livre, tout ça. Je trouvais le nom un peu raciste, tout ça. Mais j'étais même pas sur ça, moi. J'étais pas sur ça. J'étais juste, je trouvais que 1 qui tombe, 2 qui tombent, 3 qui tombent. Je trouvais ça, c'était bien. Ça, c'était un concept qui m'intéressait. Et voilà. Je crée des personnages, ça va vite. Le début, genre, tout le premier couplet, je l'écris d'une traite. Ça va, ouais, je fais moi-même les voix, tout ça. Et j'ai mon idée de film d'horreur. En vrai... Je vais te parler d'un truc que tu connais, mais c'est un peu une ambiance. T'as vu votre film Chétan? C'est quoi ce truc de ouf là-haut là? Le fan, mais casse-toi! J'aime bien, moi, cette ambiance. Petite voiture, on va dans une campagne, il y a une dinguerie qui va nous arriver. C'est un peu ça. Je voulais le prendre différemment. Donc, je mettais la forêt. Rien que de dire que ça se passe dans une forêt, etc. Tout ça, c'était des trucs pour le ramener en mode con, tu vois, pour le raconter à ma manière. Mais sinon, ouais, j'étais dans ce mood-là. Là, je t'expliquais comment je l'ai conçu. Et dans mon état d'esprit, c'était... Ouais, j'étais un peu révolté. Est-ce que toi, c'est des violences auxquelles tu as déjà été confronté? Sérieusement, genre, on m'a jamais vu, par exemple, moi-même, un truc genre où je me dis, putain, il faut faire toute une affaire dessus, faire un procès. Non, moi, ce que je ressens, c'est quoi? C'est des contrôles, c'est des moments où on te rappelle quitter, où on te rappelle, voilà ce que je dis, la vérité qui est triste, des façons... La façon dont on parle, à un moment, je me rappelle, j'avais fait la Gaîté lyrique, là. C'était un de mes concerts, j'étais trop content. Le jour d'après, je repasse devant la Gaîté lyrique Et on se fait contrôler pile devant la salle de concert et tout. Et je sais pas, ça m'avait fait mal. Je me sentais... C'est ça, en fait, c'est cette puissance, tu vois, des administrations, de la société, ça peut être de la police, mais il n'y a pas que eux. Ça peut être quand tu cherches un appartement, des trucs, il y a plein de moments. Et des fois, tu reviens à ton statut et comment t'es perçu par quelqu'un d'autre. Et des fois, ça fait un petit peu mal. Elle est intéressante, cette phrase que tu dis, on te rappelle qui t'es. Mmh. C'est t'es qui aux yeux de qui? Moi, je pense, je suis juste un jeune Français. Métis, c'est encore un autre problème, le fait d'être métis, mais... Et tu sais, genre, moi, ma mère, elle a vraiment... Tu sais, comme je t'ai dit, on était en France et pas en Côte d'Ivoire. Ça fait qu'elle se bat pour m'inculquer une mentale africaine, même la mentale de notre famille, tout simplement. Et donc, on s'oppose. Même dans la famille, on s'oppose. Nous, on aime bien parler. Et donc, tu es toujours dans un débat. Tu as déjà créé un label avec un univers, Digital Mundo, ce qui est fort. Quand on se dit, quand on regarde le court-métrage, il y a un personnage qui est intéressant, c'est le vendeur de voitures. Puis-je vous aider? Prestige Auto 19. 19 parce que tous les autres étaient déjà pris. Mais tu peux m'appeler Prestige. Et en fait, ce vendeur de voiture, il me fait penser à ta première signature en maison de disque. Ouais. Tu vois? Pourquoi? Bah, c'est quelqu'un qui vend des voitures, qui peut vendre des disques, qui peut vendre des voitures. Ouais. Et il a accepté de te passer cette voiture parce que bah, il fallait le faire, quoi. Et on a l'impression que c'était un peu comme ça, ta première signature. Ils ont fait un clip qui a fait du buzz sur Internet. Ouais. Mais c'était une bonne chose, au final, que je me fasse jeter. C'était une bonne chose. Mais ouais, la première signature, elle était... Je cherche les mots, en fait. À quel point je trouve que c'était nul, mais quand même, en fait, ça m'a aidé à voir le monde du business. Et sérieusement, de là où on venait, à Toulouse et tout, il n'y avait pas de label. Moi, je n'avais pas fait de rendez-vous à Toulouse dans un label ou quoi que ce soit. Donc, c'était... tout de A à Z. Même quand je dis à Osman, regarde, ils lui ont donné 4 000 €, il a fait un clip. Tu pourrais être lui. Ça, c'est des trucs que j'apprends parce que je vois la transaction, je vois le chef de projet, comment il en parle, tu vois. Et ça me permet, on recopie les techniques. On dit, OK, ils ont fait ça, mais ils le font mal. Tu vois, en fait, ils font ça, mais après, ils s'en foutent, ils viennent même pas au tournage. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux. Et après, on voit. Et après, il y a des... Donc, ça m'a quand même aidé à faire tout ça, tu vois. Ça m'a chauffé. En vrai, cette signature, elle m'a chauffé. Mais quand ils m'ont lâché, j'étais comme une merde. Comment ils te l'ont signifié? Comment on passe de t'es génial, t'es incroyable à, avec 2, 3 idées que j'ai essayé de faire, on dit, on ne suit pas trop. C'est ça aussi quand t'es un artiste. Quand t'as une idée, tu dis ton idée. On dit, ah, c'est bien, c'est pas bien. Il faut que ça... Après, ça dépend de ta puissance que tu as à un moment donné. Après, on avait déjà fait un petit EP, il n'avait pas marché de ouf. Donc, on n'avait pas une puissance. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu t'entendes bien. C'est ça qui fait des projets aseptisés ou quoi que ce soit. Mais les mecs, ils essayent de s'entendre avec un mec, mais c'est un DA. Ou, excuse-moi, c'est même pas un DA, c'est un mec qui fait du marketing. Quand un musicien, il parle à un mec qui fait du marketing, bah, il a déjà perdu 50% de son art. Après, il y a des mecs qui glorifient ça. Et je comprends, tu vois, que un profil comme Jay-Z ou quoi, il est connu pour être un entrepreneur et tout, et ça joue dans le truc, tu vois. Mais je pense que quand il faisait ses premiers sons, il avait quand même un moment de pureté artistique, tu vois. Et bref, donc voilà... Un moment de clarté. De clarté, avant qu'on te mette l'oseille, là, les billets, le queutru. Mais voilà, ça passe assez vite. Ça passe assez vite du c'est cool. Ah non, là, c'est raté. Tu veux pas faire ça? Ah non, tu veux pas faire ça 2 fois? Vas-y, c'est bon. On va pas vous suivre. Il y a trop de frais. Pas beaucoup de frais, en vrai. Hein. On va pas te suivre. Et après, voilà, on te donne On m'a donné un petit billet. J'étais content du petit billet, mais j'étais deg de la situation. Après, avec ce billet, j'ai acheté une cam. Et j'étais content parce qu'il fallait le faire à 18-19 ans. Ensuite, vas-y, on investit 4-5 000. Et cette cam, elle nous a aidé à faire plein de clips pour d'autres gens et tout. Donc, c'était vraiment le truc. J'essaie de voir ce qu'on a tiré de bien dans ça, tu vois. Après, ça m'a mis une méfiance qui est toujours, tu vois, qui est toujours là. C'est une question de sensibilité, en fait. Parce que si tu utilises le mot artistique, souvent, c'est un synonyme de sensibilité. Un petit peu. Tu peux pas être directeur de sensibilité. Ouais. Ouais, un peu, c'est vrai, c'est pas bête, ça. Ouais, c'est ça, l'artistique, ouais, je crois que c'est ça un peu, t'as raison, la sensibilité. Et sensible, c'est un terme dans la société, il est presque péjoratif, mais... Ouais, c'est une finesse, un petit truc, écouter bien les gens, etc. Et ouais, je veux pas complètement vendre ce truc-là. Ou en tout cas, être celui qui le vend pour d'autres. Moi, si je fais mon truc, c'est mon problème, tu vois. Moi, j'avais mon petit rêve à moi. En fait, s'il y a des gens qui font de l'oseille avec et qu'on a tout contrôlé, ça va, mais pas envie d'être le mec qui va te dire signe. Il y a une phrase intéressante, c'est quand tu dis ta façon de faire, c'est la meilleure au monde. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire. Hein? Parce que c'est ta façon de faire et que c'est la meilleure au monde, juste parce que c'est là, tu... Je crois que c'est ma phrase préférée de l'album. J'étais trop content parce que lui, c'était le dernier son que j'ai fait. Et quand j'ai trouvé ça, elle est simple, encore une fois, comme tu sais, toujours... Ouais, bref, elle est simple, mais quand je l'ai trouvée, que j'étais fatigué de l'album, j'aurais pu écrire tout ce que je voulais autour, j'étais content de cette phrase. Et je trouvais, c'est bon, t'as dit ce que t'avais à dire dans cet album. Bah ouais, parce que tu te construis avec tes armes, avec ta façon de faire, et te demande pas, ouais, lui, il fait comment... Attends, est-ce que mon business plan, je peux... Encore une fois, c'est des trucs très marketing, toutes ces techniques-là. Mais dans la pureté, si tes yeux, ils voient comme ça, fais confiance à tes yeux, tu vois. Et ce que ça va délivrer comme image, on s'en fout qu'elle soit détaillée ou pas détaillée ou quoi, mais c'est la tienne. Si t'as mis du cœur dans ça, l'image, elle sera belle. On en revient à ce côté adolescent. C'est une phrase qu'une adolescente ou un adolescent a besoin d'écouter un moment. Ta façon de faire, c'est la bonne. Mmh. Je l'ai fait pour ça. Au premier degré. Il a un truc très adolescent, l'album. Sérieusement, tu vois la scène dans le miroir? Tout l'album, tu peux l'écouter en te regardant dans le miroir. Je me parle à moi-même et je te parle à toi, c'est clair. Ou en tout cas à ton toit ado, parce que je sais qu'il titille. Tu considères que tu avais plus de problèmes adultes, ados ou enfants? La vie est moins simple adulte, mais les problèmes, si je dois te dire comment je les ressentais, là tu vois dans ma tête, là par exemple, je trouve ma jauge de problèmes 30%, 40% là actuellement, à l'heure actuelle. Alors qu'à l'époque, peut-être c'était des plus petits problèmes, mais dans ma tête, c'était 80-90% de ma vie, c'est un problème, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est une question de ressenti, mais j'aime ce fait de voir tout en mode amplifié. Et de tout voir en barre de téléchargement aussi. Mmh. Ça se voit que t'as passé du temps à regarder des barres de téléchargement, des barres de calcul. Ouais, c'est vrai. Ouais, en barre de téléchargement, encore ça, j'essaie de m'éloigner un petit peu de ça. Je kiffe toujours, tu vois, les ordinateurs, l'esthétique digitale, etc. Mais j'essaie aussi, dans la continuité de devenir un adulte, d'essayer de, je sais pas, de discerner le vrai dans ça, ce qui nous apporte ou ce qui nous apporte pas. Et donc même un nouvel album où on est reparti sur le compte, où on a complètement effacé cette esthétique-là, c'était une façon pour moi d'aller encore le plus vers quelque chose de plus grand que juste un ordinateur ou une esthétique avec des néons, tu vois. Et puis aussi de plus grand qu'un album de rap qui sort le vendredi et qui sera remplacé le vendredi d'après par un autre album de rap. Mmh. Mais c'est de se dire, cet album, c'est la suite d'un autre album qui fait partie d'une œuvre qui s'écoute un petit peu de manière unique, en fait. Ouais. De dire, bah voilà, mon album, il s'écoute en entier. Ouais. Ouais, ouais, ben... Ça, c'est un parti pris que j'ai commencé à apprendre à... En fait, j'essayais un peu de le faire avant. Mais c'est juste que j'avais pas les outils. Les outils, les moyens. Les moyens, les outils... Je sais pas, même ma réflexion, elle n'était pas à ce niveau-là, je pense, tu vois. Faut avouer aussi, tu dis, tu fais ton projet à 21, 22, tu réfléchis pas comme quand t'as 26, 28. Pour moi, c'est le truc le plus dur. Tu vois, quand tu parlais d'être dur avec soi-même, je te jure que faire ça, c'est un peu dur. Les gens, des fois, ils le réduisent et tout, parce que ça fait 2 fois. Mais c'est super dur de construire... Une œuvre. Ouais, une œuvre. Déjà, les liens ensemble. Non, mais là, tu veux pas te contredire là. Et après... Toi, tu veux des liens, tu veux que c'est... Mais je voulais que ce soit plus grand. Moi, je suis lassé quand même un petit peu par ces vendredis, là, ces jeudis soirs dont tu parles. J'écoute, je regarde le début de son, il y a un petit truc, quoi, il y a, je sais pas, il y a un petit truc. Est-ce qu'il y a un truc différent? Et là, je vois la prodesse lance. Des fois, elle est dégueulasse. Allez, je passe. Même s'il y a un bon son, t'as trouvé un bon gimmick, les gens ils vont danser et tout, mais c'est pas... Ça m'inspire pas. Et j'attends ces petits trucs différents. Même si à la fin, tu regardes, tu dis non, j'ai pas pu le playlister. Je m'en bats les couilles de ça, moi. C'est pas pur, ça. Là, j'ai acheté un lecteur de vinyle, enfin, un tourne-disque, et je vois que je suis obligé d'écouter les albums en entier. En tout cas, moi, j'ai du respect, t'as vu, donc je tourne pas le disque pour arriver à ma piste, tu vois. Et je l'écoute en entier, c'était comme ça qu'ils les faisaient, les gars. Mais il y a des grands trucs qui sont arrivés et qui sont comme... on veut te faire comme au carrefour. Allez, tiens, prends ça. Non, t'aimes pas. Je pense que t'aimeras mieux ça, etc. Et les gens, ils écoutent, ils doivent faire leur vie. Je peux pas complètement leur en vouloir. Mais acceptez pas non plus cette matrice. Mm. En mode, elle est, non, elle est mieux. Mais qu'est-ce que tu connais? Elle est pas mieux. C'est juste qu'on t'a imposé ça et tu t'y es habitué. Mais c'est important de faire des partis pris, de dire, vas-y, on va essayer de revenir dans un album et de faire une aventure pendant un moment. T'as bien 1 heure. Oui, je sais, les gens, ils ont plus de temps, non, ils ont 5 minutes. Non, t'as bien 1 heure de ton temps, tu peux écouter le truc et peut-être t'en ressortiras grandi ou pas, ou t'auras détesté, mais au moins tu sauras. Et ça, c'est vraiment un avis par rapport à la consommation de la musique. Je suis pas complètement corda. Ça interroge aussi sur la place de l'artiste dans le rap. C'est-à-dire que les maisons de disques ont souvent transformé des artistes en simples rappeurs, en disant le rap, c'est un sous-genre, c'est des sous-artistes, alors qu'écrire ce que les rappeurs écrivent, peu de gens le font dans la musique en général. Peu de gens ont cette productivité. Et aujourd'hui, on est passé d'un moment où les rappeurs étaient très critiques vis-à-vis des radios, mais ils passent leur temps à faire du contenu gratuit pour des plateformes, à travailler pour ces plateformes gratuitement, contre des followers, c'est de l'influence. C'est ça, gars. T'as vu, si tu en reviens au... C'est un peu triste, tu vois, mais si t'en reviens à la base, ouais, c'est vrai, tu vois, en fait, les rappeurs se mettent dans une position où, vas-y, à un moment, ils passent dans la playlist, ils divertissent pendant 2 minutes 30 à 3 minutes 30, et puis c'est un autre, et il faut que ça rentre bien par rapport au son qui est avant et celui qui est après. Et nous, on accepte, parce qu'il y a de l'oseille, parce qu'il y a, enfin, on n'a pas tout l'oseille, hein, mais qu'on se dit que le deal, ça va. Je pense qu'il y a des gens aussi qui se disent, vas-y, gros, la musique, je la fais en 20 minutes. Je passe 2 minutes 30 à la télé, à la radio, ou dans la playlist, ça vaut le coup. Pourquoi je me prends la tête? C'est pas tout le monde qui a envie d'aller au raisonnement, d'aller plus loin, de se dire, attends, moi, je peux pas te dire que je veux complètement niquer les plateformes de streaming, hein. Mais je donne mon format et vous êtes encore obligé de l'accepter. Donc vous allez diffuser tel qu'il est. Je te mets les interludes que j'ai envie de te mettre. Parce que j'ai passé du temps dessus et que j'aime bien. Tu vois? C'est aussi des moments où tu dis, hey, c'est encore comme ça. Hein. Oublie pas que c'est un album. Hein. Je sais que tu cherches ton titre à playlister. Je m'en bats les couilles, ça aussi. Je m'en bats les couilles. C'est aussi ce qui crée ton rapport avec ton public, en fait. Ouais. C'est qu'un artiste parle au cœur des gens qui l'écoutent, pas à l'industrie. Voilà. Pas de concession, on est... Vas-y, on est... Des... J'essaie d'être quand même quelqu'un de... Ouais, même quelqu'un de vrai. Je sais pas, je t'ai dit que je faisais ça, je vais continuer à faire ça. Je te l'ai promis. Je me le suis promis. Mais avoir sa façon de voir, c'est aussi quelque chose de plus en plus rare. Les gens ont envie de suivre la vie de quelqu'un. Et le rap, normalement, c'est tout l'inverse de ça. Ouais. Il devrait y avoir autant de rap que de rappeurs. Autant de singularité, vu que c'est la base de l'artistique, en fait. C'est vrai. C'est vrai, je sais pas, gros. L'oseille. L'oseille, la condition. T'as tout dit dans le truc, tu vois. C'est vrai, gros. On fait un coup, moi, je te dis ça. C'est parce que j'en suis à un point, je me suis fait... Faut regarder aussi dans les yeux. On se fait jeter d'un label, donc on essaie de trouver notre façon de faire. Donc, on se construit dans l'opposition à ce système-là. Mais à la base... Je fais mes premiers sons, sérieusement, on m'a donné mon premier contrat, j'étais content. Je dis, vas-y. À un moment, il me dit, ouais, il y a un son, ça serait mieux qu'il y ait un son un peu plus doux. Non, non, je l'ai fait. Je l'ai fait, t'as vu, donc je peux pas complètement insulter, mais tu peux donner un peu des... Quand t'as eu 2-3 claques et tout, va pas chercher des hits cramés qui servent à rien, alors que tu sais que... Vas-y, je sais pas, c'est que c'est à double tranchant. Tu vas le faire là, ça va marcher, ils vont t'aimer, mais est-ce qu'ils vont aimer ton prochain? Non, c'est pas une bonne technique. Essaye qu'on t'aime pour ce que tu fais, mais aussi pour ce que t'es. Pas juste la musique qui passe bien à ce moment donné. Parce que ça, c'est... Ça, c'est dans... Ça, il y en a 1000 des musiques comme ça. Essayer, réessayer pendant que les autres font que bégayer. Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il faut continuer d'essayer. Il faut continuer d'apprendre, continuer de se remettre en question. Je sais pas, s'ils bégayent, gros. Il y en a, ils font du zéo, hein, donc ils bégayent pas. Ils ont leur façon à eux, t'as eux aussi. Mais... C'est quelque chose dont on parle très très peu, c'est que souvent... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui va passer 1 an de sa vie, 2 ans de sa vie, 3 ans de sa vie à sortir un film, un album, un livre. Et que souvent, c'est des gens qui ne méritent pas de se faire défoncer en 140 caractères par quelqu'un qui, finalement, s'en fout. Et toi, j'ai l'impression que tu as choisi le parti pris le plus radical en disant « Je vais vous montrer à quel point j'en ai chié, dans quel état je me mets pour vous donner ce que je vous donne, en fait. » Ouais, les gens ne savent pas, ouais. Les gens ne savent pas le temps que ça prend. Je parle même pas des films. Les films, c'est encore plus dur. Il faut trouver les financements, c'est archi... Pour un album aussi, mais c'est encore plus dur et tout, donc j'avoue, quand on insulte et tout, c'est dur. Ouais, effectivement, pour un album, c'est pareil, on met du temps. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que je suis récompensé avec cette façon de faire. Il y a des gens qui me disent, tu sais, c'est le moment, joue ton foot, lâche des sons. Les gens, ils veulent juste entendre ta voix. Mais je peux pas... Je peux pas, genre, enlever ce respect que j'ai pour les choses. Il faut être spontané. Il y a ça dans la musique. C'est la plus belle chose. C'est pour ça que je te parlais de l'étincelle du début. Il faut avoir confiance à ça. Mais j'essaie de garder la façon de faire. C'est pas, elle me définit. Tu t'accroches à ce... Pas juste ce qui a réussi, mais ce qui fait que tu évolues ou que tu comprends mieux les choses. Tu t'accroches à ça. Tu jettes pas d'un coup parce que t'as super bien bossé, après un moment, tu peux faire un truc rapide, tu le fais. Non, il faut s'accrocher à ce qui te définit. Et il y a un artiste avec qui l'alchimie, elle est, je trouve, incroyable, c'est Alpha. Alpha, c'est aussi quelqu'un qui a décidé à un moment de dire « je vais pas jouer le jeu ». Et pareil pour Nekfeu. Ouais, je kiffe trop Alpha. On fait C'est des bons moments en studio, tu vois. On rigole bien. C'est le seul rappeur, par exemple, il est venu plusieurs fois au studio pendant que je faisais l'album. C'est outre le moment de son son. Juste pour la vibe. Et moi, je l'écoute un petit peu, j'écoute son avis, en léger, tu vois. Et c'est pour ça que je m'entends super bien avec lui. Et on a ce truc un peu... C'est très différent de notre façon de pas faire de concessions, tu vois. Par exemple, moi, il y a l'image, le concept, quand on lance un truc. Lui, ça va être sur une rime, tu vois. Ou même sur un choix de prod. Nous-mêmes, on s'embrouille des fois quand on parle. Je dis, mais comment tu peux faire ça? Et lui, il me dit, mais ça, je m'en bats les couilles. Mais ça, par contre, comment tu peux faire ça, toi, tu vois? Et etc. Et quand même, ça glisse bien entre gens qui font très peu de concessions, qui sont très durs avec avec ce qu'ils font, tu vois. Ça glisse bien. Damso, j'ai pas eu assez le temps de le voir bien, tu vois, de bien parler avec lui. J'ai pas vu autant. L'autre, on allait au Mexique avec Alpha, tout ça, tu vois, donc c'est pas pareil. 14, Paris, CEDEX, Philippe Lingo, le fédérateur. J'espère que tu me reçois comme FedEx, faut que je génère comme un générateur. On fera du mobilier, on fera des lunettes. Je ne veux pas être le plus regardé du net. Mon cash flow ne sera plus à marée basse, j'ai développé un phrasé lunaire. Bien, donc je suis assez fier de tous les gens avec qui sont en fit, hein. Même Hamza, c'est parce que je kiffe ça. Je kiffe ça, c'est pas... C'est une vague en studio, mec. J'avais envie d'en faire 5 autres sons avec lui, tu vois, parce qu'on a vraiment ce truc, bah, voilà, Window Shopper, la façon dont il rentre sur le couplet, ça, tu sais, c'est un mot, chichi, tu vois, c'est un flow, ma gueule. 2021, bitch. La code me rend lazy. Au volant de la Rari avec une meuf amazing. Dans le fond du club avec une liasse à taille de Katie. Ça veut dire quand il a rentré, j'étais en mode... c'est chaud, ça me faisait penser. Donc on a cet univers en commun, ce truc-là, tu vois. Et toi, en tant que producteur, tu signais déjà sous le nom Mr. Anderson. Est-ce qu'il y a des artistes pour lesquels tu as envie de produire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu arrives juste à travailler pour toi? Je suis pas assez fort en production, mec. J'essaie d'être humble sur ce coup-là, genre... J'ai pas honte de produire un truc pour moi parce que, t'as vu, je lance un piano. Je joue un piano, j'accepte le piano. C'est moi qui l'ai fait. Je peux le faire un petit peu modifier, tu vois, rajouter les drums, je peux les faire faire par quelqu'un d'autre ou quoi. Mais maintenant, jusqu'à arriver dans un studio, c'est un petit temps encore. Mais j'aimerais bien le faire. Parce que ça, par contre, j'aime. Ça, par contre, je trouve que c'est chaud. Tu vois, quand on parlait de cette pureté et tout ça, je trouve que c'est pur. L'échange. Une prod. Ouais, un échange, on fait une prod. Toi, ça te va bien, mais j'ai juste envie que le mec, j'ai pas envie qu'il soit gêné ou qu'il dise, non, il faut que je sois chaud. Il faut que je sois chaud, que même des trucs de solfège et tout de basse, que je peux mieux gérer. Dire ce qui est. Mais ouais, j'aimerais bien sinon. T'es encore dans l'apprentissage tout le temps, en fait. Ouais, quand même. Quand même. Après, il y a des bases qui sont là et qui restent. Cette partie-là où je me suis enregistré solo, c'est des choses qui sont restées. En fait. À faire tes voix aiguës tout seul? Ouais, voilà. Tu sais pourquoi il y a pas beaucoup de gens qui font les voix aiguës? Parce que si tu le fais en studio, devant tous tes potes et devant l'ingé, et que tu l'as jamais fait, bah, t'es assez gêné, tu vois. Mais si t'es chez toi, tu testes et après un moment, tu arrives dans le studio et tu le fais aussi devant tout le monde. Et les gens disent, oh, c'est chaud, tu vois. Mais c'est pas mal d'expérimenter seul. Même c'est là que tu vois ton grain de voix. Si tu veux parler en chuchotant, si tu veux parler avec ce teint, si tu montes... Bref, tous ces trucs-là, j'essaie de les... Ça, je les ai appris. C'est des... Mais même ça, encore, j'essaie d'apprendre. Quand même, le mix et tout, c'est un de mes moments préférés. J'essaie de rester dessus... J'ai ma façon de mixer les sons, j'ai mes goûts, mais j'essaie quand même d'apprendre avec des gens qui, je trouve, qui ont des putains de sons qui sont super bien mixés. The Weeknd, c'est super bien mixé. C'est peut-être pas du rap et tout, mais c'est trop propre. Donc si j'étais avec le mec qui lui fait ses mix, bah, j'écouterais comme un étudiant. On a discuté avec Cérône, qui nous a parlé de votre collaboration, légende du disco. Qui nous a dit que tu étais un des artistes qui l'a le plus impressionné, en fait, dans la rapidité et dans la façon de sentir la musique. Qu'est-ce qui vous impressionne chez quelqu'un de cette génération, comme Laylow? Ah, tout. La manière où il travaille, quoi. C'est avec deux bouts de ficelle, c'est du bricolage. Quand on est là et quand on a les nombres d'années que j'ai, puis moi c'était les partitions, et puis à la fin ça sonne, quoi, donc on est scotché. Est-ce que les artistes de la musique électronique, c'est des gens avec qui tu aurais envie de travailler? Ouais, je kiffe. C'est, je suis sensible à ça. Et ça c'est depuis longtemps. Même quand j'avais 19, 20 ans et tout, je le dis normal. Ça, tu vois, j'ai pas honte, c'est pas le délire du rap ou quoi. Je sais pas... Daft Punk et tout, c'est des trucs que avec mes potes à Toulouse, on n'écoutait pas trop. Enfin, tu peux pas dire, ouais, t'écoutais quoi, le nouveau Daft Punk? Non. Mais c'est des trucs que je trouvais genre plus grands. Justice. Tous ces groupes, en vrai. C'est des groupes. Je suis sensible à ça. Après, je fais du rap, je le fais à ma façon. Tu peux pas copier, ça sert à rien. Mais il y a un truc qui est dingue dans leur texture. Et donc, évidemment, que je suis ouvert. Après, des fois, quand tu vas faire une collab et tout, ça se passe pas. C'est dur, hein. C'est dur, lui, là, sa façon de travailler. Il rentre un kick, toi, tu veux rapper dessus. Non, non. Mais bien sûr, c'est de la musique qui bouge, c'est chaud. Et c'est la musique française qui voyage. Ouais. Comme la tienne. La mienne, elle prend que des petits vols, tu vois. Ouais. Pas encore les longs courriers. Ça va, t'es déjà, il n'y a plus de Dodane. Il y en a moins, ouais. Tu vois. Il y en a moins de ouf, tu vois. Mais c'est vrai, ouais, c'est ce qui voyage, c'est pour ça qu'on est connus. Enfin, c'est pour ça que les Français sont connus. Tu vois, même un album comme Isus, je crois qu'il y a pas mal de Français qui ont posé... Folstein, Brodinski. Voilà, tu vois, qui étaient dessus, et moi, c'est mon album qui m'a le plus marqué. Pas parce que j'aime exactement ce son. Hein. Tu sais, quand tu dis t'aimes Isus, en fait, c'est pas parce que... C'est ce son... Ouais, tu peux dire, ouais, lui, je l'ai bien aimé, mais... C'est surtout le move, tu vois, de dire, je suis comme ça. Vous êtes prêts ? La radicalité. Ouais. La radicalité, elle m'a bouleversé à tout jamais. You did a radical album and it's selling, so it means that we can change the way to do music who sells. Yeah, I believe so. I agree. And will your music be more and more radical? Yeah, I think it will. But I think it'll be radical hits, you know, at the same time. That's the key. You want to just hit it right up the middle. That's the true Robin Hood, you know, that, you know, from 3 miles away to, like, hit that bullseye. Moi, j'écoute beaucoup les choses comme ça. En termes de pape, nouvelle porte. De testament, quoi. Ouais. Il les ouvre. Et après, ça veut dire que, putain, il m'a montré à quel point on peut... Sinon, après, copier un flow, les trucs comme ça et tout. Si, il y a des gens, tu sais, qui écoutent vraiment le rap pour écouter les top lines, tu vois ce que je veux dire, les mélos et tout, mais non, non, non. Je crois que c'est... Moi, c'est plus... Ah, t'as pris ce risque à tel point, oh, ça passe trop bien. Et souvent, j'ai des trucs et dès que t'as fait ça, ben, t'es dans mon cœur, à tout jamais. Parce que souvent, les gens qui sont inspirés par Kanye s'inspirent par les mauvais côtés de Kanye. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire la mode, l'apparence, le côté un peu flash. Ouais, ouais, ouais. Alors que Kanye, c'est un artiste radical qui fait de la pop. C'est ça, la lecture de Kanye. De ouf. Ouais, mais moi, en vrai, c'est surtout la musique. Hein. Surtout la musique. Moi, tu sais, la mode et tout, dire ouais... Après, tu peux dire quelqu'un, il est bien habillé et tout, mais la mode, je l'aime sans l'aimer. Hein. Mais par contre, les albums comme 808 et Heartbreak, là, et Jesus, ou même en vrai, il y en a d'autres, tu vois, même les College Dropout et tout, chacun a des moments. Je les aime pas tous pareil. Mais gars, c'est des. Ouais, comme tu dis, c'est des testaments. Moi, c'est Jesus mon préféré aussi. T'as vu, il est dingue cet album. Je sais pas, il m'a trop marqué. C'était un moment où on était dupères un peu. Faut dire la vérité. Pas dupères, mais il n'y avait pas de dinguerie. Et là, il est arrivé à ce moment-là. Et moi, dis-toi, c'est ce moment que j'ai. Et après, il a fait une autre mixtape, Good Music, truc. Tous ces moments-là, c'est là que j'ai commencé à dire oh putain, mais Pesha, il est fort. Oh, Travis Scott. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on a choisi le non-click. Ça... Ouais, j'avoue. Click. Bah ouais, il y avait ce truc. We are called Click because there's nobody fucking with my click. Il y avait Merci. Merci, c'était trop. Okay, Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she trying to jerk me. Okay, Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she trying to jerk me. Les Lambo et tout, genre le clip, l'esthétique avec l'autre Nabil, là j'avais kiffé. Ces trucs qui nous ont marqués. Et c'est pour ça que genre ça reste dans mon cœur et voilà. La Lamborghini, elle t'obsède, hein? De moins en moins. Mais quand même un peu. Je sais pas, j'aime bien. C'est joli. J'aime bien les voitures. Hein. J'aime bien, c'est un peu notre côté Toulouse et tout. J'aime bien les moteurs et tout. On a un peu ce truc, un peu... Toulouse. Ouais. Pour toutes sortes de voitures. Après, moi, j'ai fait ma petite fixette avec la Lambo, mais on aime bien ça. La nouveauté, là, sur ce qui va se passer avec les concerts et tout ça, c'est ce qui arrive petit à petit sur Mr. Anderson, c'est les instruments. Mm. Est-ce que toi, c'est l'évolution après le digital, en fait, de retourner à l'humain? L'histoire des Daft Punk, elle est incroyable. Ça commence Homework. Mm. Après, ils font un album pour faire le disco de leur enfance. Mm. Après, ils vont totalement dans les robots, dans la musique électronique. Et ils terminent avec des instruments qui jouent de la musique électronique. Où, en fait, ils sont redevenus humains. L'histoire, elle est incroyable. Mm. Est-ce que toi, le fait de retrouver les instruments, de retrouver justement, tu me parles là, le plaisir d'être avec Alpha en studio, cet échange d'humains, ça annonce une sortie du trip digital, en fait? Ah, t'as vu clair. Après, et je veux pas rejeter toute la partie digitale, tu vois. Il y a un sens à donner, à, en tout cas aux albums, les albums. Et il y a une avancée qui va se faire. Je réfléchis encore, tu vois. Mais c'est vrai que je suis d'accord pour dire que j'aimerais aller vers le... Je sais pas, vers le vrai, vers le ciel, vers... Je sais pas comment dire, mec. C'était pour dire que je jetterais pas complètement des synthés ou des idées même très digitales, parce qu'on vit avec. J'ai fait un premier album que les gens, ils ont juste apparenté. Ils ont dit, ouais, ils tombent amoureux d'une... L'histoire, c'est qu'ils tombent amoureux d'une... d'un logiciel. Mais en vrai, je voulais surtout dire que l'humanité tombe amoureuse... d'Internet. Bah oui. Tout simple. Comme dirait Stavo dans un film, on est tous dans une Matrix qui nous pousse au matrixisme. Ouais, c'est vrai que c'était bien dit, ça. Tu vois pas qu'on est dans une Matrix qui nous pousse au matrixisme? Déjà, on a tous vu le personnage, tout. Enfin, moi, je fais le son, mais en vrai, c'était pour... Il y a une déception à la fin pour dire que je pense vraiment que ce chemin-là qu'on prend avec les ordi et tout, ça va faire une déception. Mm. Après... J'ai pas voulu aller au niveau d'au-dessus. Je me suis dit, Jay, t'es chez toi, t'as pas eu de tournée, il y a le Covid. Fais pas genre, ma vie, je suis une star. Alors c'est trop dur. Non, c'est faux. Qu'est-ce que tu peux dire de plus vrai? Tu sais quoi, t'as besoin de ça à ce moment. Tu vas aller revenir dans la partie d'avant et expliquer pourquoi t'es comme ça. Et là, t'as parlé de cette troisième partie où il faut synthétiser des choses. Je sais même pas, j'arrête à quelle partie. Mais ça sera pas illimité, c'est sûr. C'est sûr. Parce que l'album Trinity, moi, je le voyais également comme un truc d'oppression. Mmh. Tu disais, voilà, moi, je m'en suis sorti grâce à ces outils, en apprenant à manier ces outils, du digital, des logiciels, de comment faire de la musique tout seul, parce que c'était ça ou la fin de ma carrière. Mais ces outils, c'est aussi ce qui nous aliène au quotidien jusqu'à nos sentiments humains. C'était ça. Sérieusement, c'était ça. C'est comme un couteau, tu peux cuisiner comme tuer quelqu'un. Mmh. Je suis assez d'accord avec ça, c'était ça. Je voulais mettre les deux faces. Après, tu sais, c'est plus... Sur Internet, j'ai l'impression que c'est plus facile de dire il a une pochette verte, il y a des néons, il adore. Non, mais il y avait une critique. Et c'est pour ça qu'après, je me suis plus ou moins écarté de ça. C'était le move de dire « t'as vu, c'est traître ». Et je le sens, et c'est plus pareil en 2014 quand on a donné ce concept, ce délire, que maintenant. Maintenant, on est beaucoup plus oppressé par... En vrai, ça va vite, hein, l'oppression. Ça, d'année en année, allez, information, tu sais, Facebook qui prend tes informations, puis métaverse, puis t'attaque, et ça va de spi. Tu vois, ça, on dirait l'évolution, les trucs qui se faisaient à l'époque en 10 ans, ben avec Internet, ça se fait en un an. Et donc, non, j'ai un avis qui a changé quand même. Il y a un avis qui a un peu changé, ou du moins, comme tu as dit, c'est un couteau, il faut bien maîtriser la lame. Tu as consacré énormément de morceaux aux femmes, aux relations hommes-femmes. Ça t'a mis dans des états pas possibles. Ça t'a mis à l'envers, ça t'a fait faire des dingueries. Et on en revient au côté adolescent, où la pulsion, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de tes décisions ou de tes actions, que tu regrettes ou pas après. Ouais. Et il y a un morceau hyper important qui est Help, où tu parles des violences faites aux femmes. Elle a crié à l'aide pendant 2 heures. Et bien entendu, l'enfer c'est pas nous, l'enfer c'est les autres. Elle a crié à l'aide, pendant 2 heures. Et bien entendu, l'enfer c'est pas nous, l'enfer c'est les autres. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à écrire ce morceau-là? Ce morceau, en vrai, il est très personnel. Je trouve que, en termes de morceaux, c'est peut-être le morceau le moins efficace de l'album, mais c'est peut-être un des plus durs et des plus personnels. Un couplet, violence au début, violence à la fin. Il y a des choses qui sont passées, et je sais pas, à 18 ans, je ne le remarquais même pas, que c'était violent. Et j'avoue, le monde, il évolue. Et quand tu vois chez les autres, tu dis, ah ouais, c'est grave, non, mais quand toi, ça se passe devant toi, tu sais même pas arrêter quelqu'un qui est en train de faire un bordel. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je fais ce son, pour, je sais pas, peut-être pour effacer le courage qu'on n'a pas eu à un moment, tu vois. Je reviens à l'adolescence, que c'est important de faire aussi passer ce message aux adolescents. De ouf, c'est ça que t'as tout dit. C'est dans ces moments d'adolescence et tout, quand je te dis au tout début, tu sais, des fois, le bien et le mal, on sait pas trop. Ça va vite, hein. Ça va vite, ces trucs-là. Il y a aussi une amie qui t'a rendu hommage sur une pochette, je trouve de manière assez classe, en ayant un bras bionique. C'est une amie qui a une prothèse, qui est handicapée. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire ? C'est une pote qui s'appelle Gwen, qui est notre crew à Toulouse un petit peu. Ils avaient ils ont une marque avec notre pote qui s'appelle Clips, et je sais pas, ils étaient liés à nous. T'as vu, on est pareil, nos premiers clips, ils nous habillaient, on le faisait ensemble et tout. Et voilà, à un moment, il y a un accident. Et comme on était un groupe très serré et tout, bah, en fait, on l'a vu perdre, on l'a vu avec sa jambe et sans sa jambe. Et les différents stades. Ah, j'ai plus de jambes. Putain, je sais pas. Je suis perdu, je sais plus comment vivre. Et attends, je vais mettre une prothèse. Attends, je vais faire de ma prothèse un élément pour être encore plus fort. Un élément, tu vois, c'est des trucs à quoi on s'accroche. Et donc, on a vu tous ces stades. Et voilà. On rendait hommage. Je suis pas resté 100 ans avec cette histoire de bras, parce que moi, j'ai pas de bras coupés, tu vois. Mais il y avait un petit hommage. On l'a mis dans le peucli, on l'a dit. Et même plus simplement, elle est super stylée avec sa jambe. Tu l'as vu dans le clip. En vrai, elle est dans Maladresse. C'est chaud, tu vois. Donc même un handicap et tout. Et ça, c'est les bons côtés de la technologie. Tu peux le vaincre et... Vas-y, tu vois, bisous Gwen, en vrai, t'es encore devenue une meilleure personne, tu vois, grâce aux accidents, comme quoi Dieu a toujours raison. Il y a une expression que tu utilises, qui est encore très manga et très adolescent, c'est cœur pur. Cœur pur, c'est ceux qui peuvent monter sur le nuage magique. Ouais, c'est vrai. C'est une bête féroce. Seuls les hommes au cœur pur peuvent l'adopter. Est-ce que ton cœur est pur? Bien sûr que j'ai le cœur pur. C'est toi, c'est ça ta quête dans la vie, c'est le cœur pur? Non. C'est quoi ta quête? J'ai pas de limite. J'ai pas de limite, car... Moi, je vais juste terminer mon tableau. Je l'ai commencé, je vais donner du sens à ce que j'ai commencé. Parce que c'est intéressant que tu parles de tes potes, entre Osman et ton équipe. On a eu affaire à eux. Moi, ça me rappelle mon équipe, parce qu'on est pareil. On est... Ça fait à peu près 20 ans qu'on est tous ensemble. Chacun fait ses trucs. On est soudés quand il faut se souder. On évolue quand il faut évoluer. Et en fait, t'es pas un artiste solo. Non, non, non. les gens, ils voient que bah, je m'expose, en fait. Mais trop pas. Trop pas. Laylow, ça a commencé quand on a été 4. Laylow et Circlo, par exemple, on n'était pas 4. Mais au moment où on a commencé à capter le délire, c'est ce moment où on a été ensemble, on s'est fait confiance. Donc je suis pas du tout solo. Sérieusement, les gens qui bossent avec moi, ils méritent autant de respect, tu vois, que moi. C'est pour ça que c'est pas... Faut pas voir que la surface. Enfin, faut pas voir que, ouais, que la surface. C'est... Il y a toujours plein de gens derrière, je pense. Et c'est un des compliments dont je suis le plus fier. C'est quand un autre rappeur ou des gens qui ont un peu de jugeote, ils passent un peu de temps avec nous et ils disent « Mais putain, t'as une putain d'équipe. » C'est pour ça, en fait. Tu captes? Et qu'est-ce qui pourrait me rendre encore plus fier que de me dire que je les ai trouvés, on s'est trouvés naturellement, tu vois? C'est pas « T'as payé lui parce qu'il a travaillé avec lui, tu vois, t'as fait ton addition. » Non, mec. Nous, c'est cœur pur, tu vois. C'est juste des gars, on s'est trouvés, on a fait nos erreurs ensemble. Et je te jure que, il y a 10 ans de cela, j'ai 28 ans, aujourd'hui, à 18 ans, on a commencé à tous se capter. Jamais on n'aurait cru que ça se passerait comme ça et que Osman, il sera en train de dire « Attends, fais ça comme ça, etc. » Tu vois, que je puisse lui donner autant de clés, ou que Nabil, il gère mes business, ou que Solal, avec qui j'ai fait de l'internat, on était des petits cons, on sautait par la fenêtre. Que ces gars, ils auraient autant de responsabilités. Et putain, quelle fierté, tu vois, que ça a été naturel et pouvoir faire confiance à ces mêmes amis du début. Et bien sûr qu'on a un groupe. Les deux moments où tu as été le plus ému pendant cet entretien, c'est quand tu parles de ta mère et de tes potes. Gros, c'est... Ce qui me touche vraiment, on peut rien faire de... On peut pas... C'est pour ça que je dis, tu me disais aller vers l'humain, aller vers le vrai sentiment, il y a des choses, tu peux dessiner des styles, prendre des esthétiques, essayer de faire un truc qui ressemble à... Mais les choses qui me touchent le plus, c'est ça. Et c'est un peu plus dur de parler de son envie, d'arriver depuis d'y arriver depuis le début. Tu sais, c'est plus long, mais si je dois... C'est ça les choses qui me touchent, quoi. Donc Laylow, c'est une clique. Clique à mort. Merci Laylow. Merci à toi, moi. Merci beaucoup.